Good afternoon, everyone. Bon après-midi à tous. Oui, on est là pour un autre épisode de photographie avec moi, justement. Yeah, here we are once again, another Friday. Another Friday, and we're here to analyzing our images that we shot over this week. And yes, again, I'm late again, I know. So we're going to do a little bit something different this week. What we're going to do is, now we just got news that obviously many of you around the Montreal area, ceux qui restent en entour de Montréal, saviez que déjà les magasins, les détaillants, les commerces détaillants en entour de Montréal, c'est-à-dire ça arrive sud, ça arrive nord, qui sont tous sur le bord du fleuve, fait partie du CMM. Fait que nous, on était supposés, à un moment donné, s'ouvrir le 11. Ça a été repoussé au 18. Et hier, pendant qu'on y avait certains de nous qui étaient qui ont été pour laver le magasin et tout, on a été repoussé encore au 24. Fait que là, pour l'instant, puis vous regarderez sur le site web de Gosselin, mais Laval et Brossard sont supposés de rouvrir la semaine du 25 mai, pour l'instant. On verra si ça va changer encore une autre fois. Si vous avez besoin de quoi, vous pouvez toujours utiliser le site web de Gosselin en tant que tel. So for those of you who may have heard already, Montreal retailers are those in and around the island of Montreal on the North Shore and the South Shore. Have been pushed back. The opening date for retailers has been pushed back to the week of the 25th. We found this out yesterday while we were prepping our store here on the South Shore, Distant. Laval and Brossard will be the week of the 25th. So you can also find information on the... Hi Mark, hi Lynn, bonjour Ben, ça va? Et puis, y'avait-tu d'autres personnes que j'ai vues? Oublie pas, si vous avez une chance, vous pouvez toujours participer dans le chat live diffusion en direct. Et aussi, vous pouvez toujours liker l'épisode. Si vous aimez l'épisode en tant que tel, vous pouvez toujours me... liker dans la description, puis utiliser les commentaires par après si vous voulez partager encore d'informations ou que vous avez des questions par rapport à l'épisode courant. Vous pouvez toujours utiliser les commentaires. Je garde toujours un œil sur les commentaires en cas que quelqu'un aurait une question par après. C'est ça, s'il vous plaît, likez l'épisode et aussi, si vous n'êtes pas déjà, abonnez-vous parce que ça change toute l'analyse de ma chaîne en tant que telle, YouTube. So those of you who haven't thought about it, please, if you can, if you enjoy this episode by the end, please like the episode if you can or if you watch it later on. Also, if you're not and you're interested, please subscribe to the channel. I will keep this going even when I do end up going back to work on the daily basis at that time. I'll just readjust the schedule. Since we're going back on the 25th, I'll keep doing the episodes as I've been doing on the Monday, Wednesday, Fridays, and Saturdays. I realized that this weekend is Mother's Day. So I was just debating whether we should, rather than doing a weekly challenge for this week, not to make it too complicated for everybody. But then again, it's up to you. I've also noticed that maybe some of the topics that are launched as the weekly challenges, people might not be interested. So I was thinking of maybe doing something a little bit different this week and launch tomorrow. Actually,
Well, I'll probably do a video anyways tomorrow afternoon at 3 o'clock, but I was thinking as far as the weekly challenge goes, I was going to leave it à l'air libre. C'est-à-dire que I'll let you guys decide on what you want to do for... What I will do is I will open up a miscellaneous or some kind of a album, I'll do that later today, where you can submit any type of photography you want to do between now and next Friday. And we'll see how that goes, see if we get more participants that way. You know, one of the reasons why I do these weekly challenges is to motivate people in different aspects of photography. C'est-à-dire que je pensais peut-être pour demain, vu que... je vais quand même faire une diffusion demain après-midi à 15h30, comme d'habitude. Mais ça va être un peu plus... j'ai pas pensé à la fin de cette pensée-là. Mais je pensais la semaine prochaine qu'on ferait quelque chose hors la norme ADAPT, dans le sens que, au lieu de donner un défi hebdomadaire, le défi de la semaine prochaine, c'est juste de faire la photographie. Puis moi, en tant que tel, je vais mettre une... Qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais rouvrir un album, que ça va être le défi hebdomadaire numéro 6. Parce que là, on est sur notre cinquième semaine. Notre cinquième défi. Fait que la sixième défi, ça va être à votre décision, qu'est-ce que vous voulez faire. Et puis, vendredi prochain, l'analyse en tant que telle va être sur les photos qui sont envoyées, qui sont soumises. Que ça soit du portrait, que ça soit du paysage, que ça soit du... Puis, honnêtement, si vous voulez, si vous avez une photo que vous avez prise, là, peut-être 3 ou 4 semaines, 2 mois, même un an, 2 ans, si vous avez une photo qui vous attire quand même et vous voulez qu'on fasse certains commentaires, comment est-ce que la photo en tant que telle aurait pu être améliorée, on va faire ça de même. Soumettre la photo, puis justement, comme que je fais aujourd'hui avec les portraits de, je veux dire, les autoportraits de le défi hebdomadaire de cette semaine, je vais passer à faire la même chose avec ces photos qui ont été envoyées, puis on verra s'il y a plus de participation, ben là, peut-être je ferai ça peut-être aux 2 ou 3 semaines, puis lancer seulement un défi, peut-être 2 semaines en ligne, puis après ça faire un free game, puis après ça faire 2 ou 3 défis, puis après ça faire un autre free game. Dites-moi si vous aimez ça. Vous avez des commentaires que vous pouvez, je veux dire, le chat en tant que tel, vous pouvez la clavarder, je ne sais pas si c'est un verbe, mais le chat en tant que tel, le chat live, que je garde toujours un œil dessus. Et puis, so for that, what I was just saying is that what I'll probably end up doing, we'll see how it goes this week, if I just leave an open challenge to whatever type of photography you want to do. And even if it's something that you've shot months ago, last year, 2 years ago, and it's just an image that captures your heart, and you would like to know if it could be, it could have been, or could be made better, either something in camera or something that was that could have been I lost my whole English now. Amélioré. That could have been you get the picture. That could have been done better or could have been helped or could have been in post-treatment is what I'm trying to say. Is either in technique in the camera or in post-processing. Via whatever software. And if you guys have softwares that you are, you know, you have questions about or whatever, that's another thing too, is that, you know, when I do that Wednesday evening episode and I'm talking about whatever software, you know, send me whatever softwares you're using and I can investigate them and maybe find different ways of doing things or helping you out that way too. And it'll give other people ideas of other softwares that they could be using too. You know, that's a whole, if there's anything, you know, I'm here for you guys. So I'm doing this also for you guys. I'm not just for me. I'm doing it for you too. So if, you know, the information is starting to get blasé, well, then tell me and we'll, you know, I'll do things that are more, you know, what you guys are using out there. You're 73 or 75 people in the group. You're 63 subscriptions to my YouTube channel. Right now, the channel is small. The group is small. So it's much easier for me to... help in the
or catering to your needs. Okay, so and that's what I'm here for. So, c'est-à-dire que tu oublies pas que moi je fais ça autant que je fais ça pour moi, pour me garder en pratique, pour l'information et tout ça, puis les conférences en tant que telles. C'est aussi parce que je veux vous aider avec, tu sais, si vous avez certains besoins, mettez-les dans les commentaires, mettez-les dans le chat, puis je vais réagir en fonction de ça aussi, là. Si vous avez un logiciel en particulier que vous utilisez, puis vous avez des questions sur peut-être comment est-ce que j'applique l'identité ou tu sais, avec Photoshop Elements, tu sais, à quel point est-ce que je peux modifier puis retoucher les yeux sur une personne. Même si vous avez justement, puis ça c'est un épisode qui va s'en venir, peut-être même la semaine prochaine, c'est que je vais faire un épisode le mercredi sur les logiciels, sur la restauration de d'anciennes photos. C'est-à-dire que last couple of weeks here, I've been scanning old photographs, like from, I'm talking from years ago, and I'm talking photographs that are the I don't know if you've ever seen them, but the old 4x4 prints. I've been scanning all these kinds of photos which have been damaged or whatever. So I was thinking next week, next Wednesday, doing a doing an episode on restoring photos, and at what point you can scan and restore your own photos yourself or get them done à l'extérieur, like either from a photo lab or, you know, sending them in type thing. So today's episode is on nous sommes là aujourd'hui pour justement à regarder les soumissions. Puis je t'avoue que j'en ai quelques soumissions qui ont été envoyées cette semaine. OK. Je vais juste voir ici. J'avais un message ici. Correct, parfait. Il n'y a pas grand soumission. There aren't many submissions today. For this episode, and of course I'm running behind with all of the work we've been doing to getting this, you know, getting myself the store open with and then also with the I'm still in the process of managing my time here, but we'll go through the photos that we have that have been submitted. I just want to check and see who is on board. We're good here. I've got, thank you. I've got two likes. We've got five people already viewing. Good, great. Okay, where is it? I need this screen here with this screen here. So we've got, let's start with Mark. Mark decided to do, now I don't know, the young people might not know these guys, but Devo was I think they're still around, as a matter of fact. But Mark decided that he would dress up as one of the artists from Devo. And as you can, and I mean, Mark, fantastic job. Lighting, it's beautiful. What we're using 1/60th of a second at f7.1 at ISO 100. Fait que t'en gardes la réglage. Ça, je t'avoue que c'est le réglage que j'utilise par départ en studio en tant que tel. Ça, c'est avec les flashs. J'aimerais savoir qu'est-ce que Marc a pris pour son chapeau. Quand même, parce que c'est pas mal le Devo à côté. Mais, can't see. Oh, sorry. Did I not switch it over? I am so sorry. Thank you, Marc. There we go. How's that? Is that better? So, here we've got, c'est la soumission de Marc. Et puis, il a utilisé son 1/160e f7.1 et ISO 100. Typiquement, ça, c'est mes réglages par défaut que j'utilise en studio. Puis quand je parle en studio, genre, pas nécessairement plus grand que mon atelier ici, qui, ben, malgré que mon atelier est quand même assez grand, je te dirais que c'est à peu près une 15 par 20, mais genre en studio, ben, c'est à peu près 10 par 10. Marc ici, il a bien réussi à avoir son fond noir. Je ne sais pas justement si Marc, si son fond il était carrément noir ou que c'est juste la façon qu'il avait placé ses lumières, mais quand même, on voit très bien que... Non, Marc, la seule chose que je te demanderais, c'est combien de lumière, combien de têtes que vous avez d'éclairage pour ton studio ici.
Puis la raison pourquoi je demande ça, c'est que si on regarde les yeux ici, Marc a utilisé un seul lumière. Vous voyez que... Est-ce qu'on peut? Il me semble qu'on pouvait. Non, OK. Dans ce temps-là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je... Oups. Non. Voyons. Dans 2 secondes que je trouve mon... Bon, c'est-à-dire que... Oh, I know what to do. View image. Ça va être bien plus facile. Et voilà. Puis ici, je vais faire... There we go. C'est ça que je veux. Vous voyez dans ses yeux... Regarde pas... Je veux pas que tu regardes la résolution parce que je viens de le zoomer au point qu'on voit les pixels. Mais regardez comment est-ce que... Vous voyez l'éclat de la lumière ici? Ça indique déjà que Marc a utilisé un seul lumière. Fait que la question que je vais poser à Marc... c'est exactement combien de lumières qu'il y a. Est-ce qu'il y aurait une deuxième ou troisième lumière? S'il y aurait une deuxième, troisième lumière, parce qu'en tant que tel, la mise au point, il est bien fait. Là, je ne sais pas si Marc avait eu son petit assistant avec un rideau noir. Yes, one light, c'est ça. Mais si Marc aurait eu une deuxième lumière, un deuxième éclairage, il aurait pu utiliser ça en fonction d'un éclairage découpé. Puis découper juste pour séparer un peu plus. Puis qu'est-ce que j'aurais fait, qu'est-ce qu'on aurait pu faire ici, c'est que vous avez, puis on voit très bien que l'éclairage en tant que tel, il était à, si on parle de où l'appareil photo est placé, il a été placé au-dessus et à gauche de l'appareil photo. Parce qu'on voit très bien que l'éclat de lumière est sur le côté droit de son œil, puis il est au-dessus de le centre, le pupille. OK? Ça nous donne un indice de où ce qui vient la lumière. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire ici? C'est qu'on aurait pu, de l'autre côté, pointer un éclairage en arrière ou à côté en arrière de Marc sur son épaule. Si on parle de la position de l'appareil photo, sur le côté droit, en arrière de l'épaule, pointé vers le dos de Marc. Et qu'est-ce que ça leur a fait dans ce temps-là? C'est que ça leur a découpé beaucoup plus le chapeau et son épaule. Ben actually, ça leur a été même chercher plus les deux épaules en arrière pour séparer plus Marc de son fond. OK? Puis ça leur a... ça leur a donné un peu plus d'éclairage ici en même temps. Mais dans ce temps-là, qu'est-ce que j'aurais fait, qu'est-ce qu'on aurait pu faire, excusez, c'est qu'on aurait baissé la lumière plutôt d'aller chercher le dos de Marc et pas toucher nulle part le fond en tant que tel. Pour garder quand même, pour garder justement le fond noir en tant que tel. Mais en fonction de prise de vue, en fonction de... On voit très bien que tout est bien net. La mise au point, il est bien fait. OK. Peut-être on aurait pu... Attends, je vais juste voir ça vite fait. Ah! On aurait pu peut-être aller chercher un peu plus. Non, je ne sais pas s'il y avait quelqu'un derrière l'appareil photo qui a déclenché ou... Tu sais, ça, c'est une chose aussi, c'est que... des fois, quand on fait nos propres photos, les mises au point, c'est un peu plus difficile. Mais si Marc il aurait été mis en mode, dans ce cas ici, c'est que si Marc il aurait mis le autofocus, c'est que au pire aller, j'irais chercher une des points, des mires de mise au point dans la quartier où sont ces lumières. Pour moins avoir la mise au point nécessairement sur les lunettes en tant que telles. But, écoute, cette photo-là, en fonction de la mise au point, il est très bien réussi. L'éclairage, il est très bien réussi aussi en fonction de son placement, son éclairage, l'exposition, fantastique. So, you know, good job, Mark. Fantastic job. Love it. Now we're going to take a look here at our next subject. Oh, wait, did Mark send more? Oh, wait, Mark sent more here. Here we go. So, there's Mark and Lynn. Puis, justement, I have no... Oh, okay, there... Okay, ça c'est un peu comique.
Mark, fantastic job. One thing, though, you could have cropped a little bit more or placed yourself a little bit more where, right now you're kind of centered. Yes. And maybe even actually maybe use a bit of the flash more, because you could have opened up your eyes a bit more too. Open up Lynn's eyes over here a bit more. I love the hedge trimmer in the back. Fantastic. So I'm sure Lynn, if she's anything like Sarah, I'm sure that there are times when she'd like to use that on you. How did I do this before? Let me just check full screen. Is that full screen? I want to, oh no, I know what I did. I have to exit full screen and I'm going to do a view image. I want to check out. Now, in this particular case, whoops. See, actually, to show you what I mean by crop, when I'm talking about crop, no, I'm talking about more. Actually, even if I would have done, if you would have maybe gone and done something a little bit more like this, this would have been a little bit more interesting, but closer. So what I'm saying is something more like, no, something more like this, and maybe not necessarily using the fence in the back, but having more of your be on the other side, where the A would be the actual background. Okay. Otherwise, still again, Mark, fantastic job. Let me see. Was there another picture after this? Well, yeah. Give us a second. We have another example here from Mark. I missed the barber. I like that. Nice title. Actually, this one here, I prefer, between these two photos, I'll be honest with you, I prefer this one here. Okay, even though you're in the sun, it's harsh. Here, what would have been needed would have been to have more of a, this was 1/500 at f4. Typically here, you didn't need to have an f4. And I don't know, which focal length did you use is the next question. And if you wanted to have the background more blurry, you'd have had to have been farther forward. Ici, dans ce cas-ci, voyons, justement, on est dans la rayon de la soleil, fait que le soleil est très, 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 est très forte. Le placement du sujet aurait pu être un peu plus, mais un peu plus tourné vers le soleil, pour avoir moins de l'ombrage dans les yeux, avoir un peu plus de d'éclairage sur Lynn aussi, parce qu'elle est dans l'ombre. Puis ça leur a balancé aussi plus entre qu'est-ce qui est éclairci et qu'est-ce qui est assombri ici, pour avoir moins de... puis encore, c'est le cadrage. Tu sais, le cadrage en tant que tel, ça leur a pris que ça soit... parce qu'il y a beaucoup d'espace vide qu'on aurait pu enlever. OK? Encore, pour donner un exemple, comment est-ce que ça aurait pu être amélioré en prise de vue en tant que tel, c'est que on aurait pu faire... Non, ça serait plus comme ça ici. Ouais. Disons qu'on s'en va chercher plus comme ça ici. Puis ça aurait changé aussi encore plus ton éclairage. Ça aurait changé encore l'exposition. Parce que, oublie pas qu'un problème que vous avez quand vous êtes trop large, dans ce cas ici, c'est que ça ici, le pose-mètre considère ce blanc éclaté ici. Puis aussi, s'il aurait voulu aussi, il aurait pu juste faire, vu que son on va dire, 75 à 80% de cette photo-là, il est dans la rayon de la soleil, c'est que Marc aurait pu aussi prendre une exposition, juste l'exposition, faire une lecture sur le gazon vert pour voir quelle, peut-être avoir une meilleure exposition encore. OK? Fait que, entre les deux photos, je t'avoue que ça, c'est celui que j'aime le plus. Entre...
ça s'en vient. Entre celui-ci, c'est, ça pour moi, ça c'est une photo qui est très flat. For me, this is a flat photo, and flat in the sense that obviously there was a whatchamacallit, a cloud overhead. So we have very diffused light. We have very flat light. And at this point, too, at 6.3, Mark was still a little too close to the fence to be able to get that quality of blur. Mark is telling me here that he used a 24 millimeter lens. Typically, 24 millimeters for me for this kind of a portrait is way too large, way too wide. Typically, again, and I've said this before, usually when we're talking about focal lengths, when it comes to portrait, you prefer using anything from 70 and above. So usually the preference is 70 to 135, and that allows you to flatten more. There's less there's less volume, there's less empty space, you know. Don't forget, we're always trying to tell a story, and when we look at it, when we look at an image and it just has too much space around it, and it doesn't bring anything more to the image itself, that can deter the eye from, you know, the whole story as the photo. But when we go to the next one, here the problem is that here the sun comes out. It's very harsh. It's very it's a hard light. Even though Mark tried to blur his background out more using an f4, he still wasn't close, wasn't far enough from the background. And it don't forget too, because you're using a 24 millimeter, it's not the same type of depth of field when we talk about a 70 millimeter or 100 millimeter, because that 100 millimeter and 70 millimeter compared to the 24 decreases your depth of field. It takes away from your depth of field, which at that point, perfect example here, I'm looking at myself in the camera, in the webcam, and because this particular camera is very wide-angled, okay, I mean, wide-angle, like we're talking about, I've got at least 2 feet on one side and 2 feet on the other side, okay? The background, because it's so wide, the depth of field is much, much deeper, okay? When you use a focal length that brings the subject closer to you, what you're also doing is you're increasing that depth of field, that blur, you're increasing, or I should say you're decreasing the depth of field, which is inadvertently rendering your background more blurry, and your foreground too, because you're shortening that distance, okay? So typically I don't use anything under, and as you can use, when we're talking about portrait. Now, portrait is taking a single person, right? We were doing self-portraits, where the subject is the human being, is the person in front of you, okay? It's not a landscape. You could get away with a 50 millimeter, although that 50 millimeter increases your depth of field, therefore you're going to get less blur at the same apertures that you would have at 70, 100, and 200 millimeters, okay? Because that focal length shrinks that depth of field, okay? Other than that, Mark, good try. Good job. I love it. Fantastic job. Lynn, fantastic comme modèle secondaire. Beautiful. Let's go on to our next subject. Our next submission. Next submission. Why did I go back out like this for? Bear with me. I'm just going to find my... I lost that screen with the... So if you have any questions, please, by all means, use the chat. If not, use the comments in the... also in the... in the description of each episode. And I can follow up on your comments afterwards. Well, trying to get all my windows back here. So Mark was, whoa, here we go. Audrey, yes, beautiful. Okay. Quick. I don't know if you guys remember last week when we talked about it last Saturday. Uncle Bob submitted two
as examples. So we have a portrait here of Uncle in a reflection in the window. Still on a good healthy. We're good there. Nice. Sorry, just checking to make sure my connection, because there's been question about my internet when doing these live feeds. So here we have a fantastic example of a self-portrait in the reflection of a window. Uncle Bob also did a second one here in the streets of, I believe this is in the streets of Montreal. He could comment later on, but I believe this is in Montreal. And notice how Uncle left, he left the full, you know, in this particular case here, the reason that, you know, the self-portrait of Uncle is here, and he, the way that he cropped it also is that he used the windows themselves as his guide for shooting this image. But he did keep the whole window in, and I find that alone itself gives more to the context of this photo. And even if you look at the one before in the patio door on the boat, you know, the way that he's placed himself, you see where he was when he shot this image. Obviously, this is on the balcony of a, I'm assuming, a cruise ship or condo. I know this came from, I believe this was one of his trips on a cruise ship. So you have the parking lot in the background. You have the terminal, the roof of the terminal here. You know, it adds a little bit more to the story. Okay. On voit que Audrey aussi, elle a envoyé des photos qu'elle a prises justement. On va regarder chacun. Puis, voyez que Audrey ici a pris sa photo en travers d'un miroir, que l'appareil photo était derrière elle. Elle a utilisé, c'est un 35. Puis voyez que, tu sais, 35-105, excusez, elle a utilisé à 70 mm. La 6D en tant que telle, c'est un plein capteur. So, it's a true. So, here in this particular case, Audrey used a Canon 6D, which is a full-frame camera. So, the depth of field is a true depth of field for this particular focal length at 70 millimeters. Okay? And you'll notice that at F8, okay, at 70 millimeters at F8, notice how her shoulder here, her back and shoulder are blurred. That's the product of a full-frame camera at that 70 millimeters. Because I'm telling you, the camera wasn't put at 20 feet away. Okay? The camera is probably somewhere at about 8 to 10 feet from Audrey. Okay? She used an F8. She had one flash to her left, which would have been around over the camera. Okay? Ma gauche, derrière. She also used a, and you can actually see the, you can see the éclat de lumière in her glasses there from the flash, and she used the reflector on her right side to open up the shadows created on the right side of her face. Fantastic pose, fantastic crop, or I should say composition. I love it. C'est bien réussi, Audrey. 160e, un F8, c'est fantastique comme photo. Puis on voit très bien que la mise au point est vraiment réussie sur sa face, pas sur son épaule, pas sur sa main, c'est réellement sur sa face. Ok. Si jamais Audrey revient à la photo dans l'album, elle pourrait peut-être marquer comment est-ce qu'elle a réussi à avoir son mise au point. Je suis pas mal sûr que c'était en mode autofocus, puis qu'elle avait verrouillé un mire de mise au point en haut à gauche, parce qu'elle est bien placée au tiers dans les deux sens, horizontal horizontal et vertical. Fantastique, Audrey. Ça, j'avais vu cette photo-là. Ça, c'est une belle concept, OK? Je t'avoue que l'exposition est bien, l'éclairage est bien placé.
La seule chose pour moi en tant que tel, je trouve, puis tellement de personnes le fait, c'est que l'appareil couvre la face. Puis dans ce cas ici, il faut se demander, est-ce que la photo, c'est l'appareil photo d'un main devant l'œil ou est-ce que c'est un autoportrait d'un photographe? Typiquement, on veut voir au moins l'œil. Si je place l'appareil en tant que tel, on va changer de so, si je regarde ici, puis je vous regarde ici, puis je veux être mon œil placé derrière l'appareil pour montrer que je suis en train de prendre une photo. Vous voyez que mon œil gauche, ici, est visible. OK? Si je fais ça, c'est juste l'appareil qui couvre ma face, puis je vois rien dans ce cas ici. OK? Je veux dire, je vois en tant que le visionneur, vous autres. So, when it comes to photos like this, you have to ask yourself, what's the picture? What's the principal element? Is it the fact that I'm holding the camera in front of my face like this and hiding myself from whoever's looking into me? Or is the actual photo supposed to be of me taking a picture of myself in the camera in front of me? Okay, and if that's the case, then typically I want to see this eye. I need to see this eye. Okay, because here I'm a photographer. Here I'm hiding myself from whoever is taking my picture, right? So this it here I my little my distinction here is really it's the choice of pose versus the story. Okay. Other than that though, when we look at it, you'll notice here that the lighting is well lit. Well, let me just check one thing here real quick. I want to see. Je vais juste vérifier la mise au point en tant que telle. Parce que d'après moi, la mise au point il a été fait sur. Ouais, c'est ça. La mise au point il était fait sur. Puis ça, je t'avoue que ça, c'est une. Alors, n'oublie pas, la résolution, ça donne pas nécessairement en fonction de qualité parce que c'est un photo qui a été exporté en fonction de l'écran. But ça a l'air à être la mise au point plutôt ici. OK. Faut juste faire attention avec ton mise au point parce qu'on voit très bien que ton châle que vous portez, la qualité est un peu meilleure. Tu sais, comme la mise au point a l'air à être fait ici sur ton épaule. Ouais, non, excusez, ton coude. On va faire ça. On va retourner. Et voilà, on va continuer là. Voyons, il avance pas. Ah, ah, regarde ça, un petit selfie avec le téléphone. Hein? Comment c'est chouette. Beautiful little selfie here. I mean, come on, listen. What can I say? So here's a picture of Audrey taking a picture of herself with her phone. Obviously, this is with the Canon, not with the phone. But beautiful expression on her face. The lighting is fantastic. Notice that her blouse being white is not too burned out because she is wearing white. C'est-à-dire que, puis encore ici, flash principal en haut devant, flash découpage derrière à droite. Oui, on voit ici que, see this here, there's a little bit of a hair light back here pour découper, to cut her out of the background. That just adds a little bit more depth. That's fantastic. Réflecteur blanc à 70 degrés à ma droite. C'est-à-dire que ici, qu'est-ce que peut-être vous auriez pu faire, c'est pointer votre réflecteur un peu plus pour que ça rouvre le côté de droite de votre face ici, pour qu'elle soit pas si nécessairement si sombre que ça, ou l'ouvrir en post-traitement par après avec ta pinceau d'exposition ici, juste pour le rouvrir un peu plus. Mais en temps normal, écoute, puis aussi peut-être, tu sais,
vous êtes quand même bien, très, très, très centré, qui coupe un peu, ben coupe ton genou ici, puis coupe, tu sais, peut-être juste vous placer un peu plus vers la, excusez, vous placer plus vers votre, sur la photo en tant que telle, à gauche, pour donner un peu plus d'espace ici. OK. Mais, encore, belle réussite. Ouh! Ça, c'est une expression, je sais pas, un peu plus dure, mais quand même. Puis ici, le flash en haut, en hauteur devant, encore découpage. On voit le découpage, on voit sur le cou, on voit ici sur le bord des cheveux. So here we see the hair light. Okay, which is separating, and you can also tell that the hair light. Notice how the edge of Audrey's shoulder is well defined. Okay, that can only be done with a backlight. Not a backlight, but a hair light. Okay, and having a source of light on that shoulder, because if you look here, it blends in more with the background. Rather, here it separates more with the background. Okay. Flash pour ouvrir les ombres à 90 degrés à 5. OK. Now, la 90 degrés, c'est ça que je me demande peut-être c'est un peu plus de, pour cette raison-là. So, 90 degrés means that Audrey placed the flash. Whoops, it might be easier if you saw me. Wait a minute, I got to figure out where my hand is. So, my hand, okay, so if my hand is the flash, Audrey placed her, wait a minute now, let me make sure here. Yeah, okay, so Audrey used a second light or a fill flash, which would be this one here. It's too much on a 90 degree angle because what's happening is, what I would use this particular light for is I would have brought it forward, bring it just a little bit more, plus vers l'avant, et plus viré vers, so un peu plus en 40, pas en 45 degrés, mais disons peut-être en 45 serait là, si on parle d'à peu près, peut-être à 15 degrés, juste pour être capable d'aller rouvrir un peu plus ce côté ici. OK? Parce qu'on voit très bien que l'éclat tombe vraiment sur la côté gauche. OK. Mais, tu sais, l'idée aussi d'utiliser un deuxième flash, un flash secondaire ou un flash de remplissage en tant que tel, I just realized you're still on my face, c'est vraiment, c'est pas juste de rouvrir ici, mais c'est aussi de rouvrir un peu plus dans votre côté droite de votre visage. OK. Oups. Prochaine. Ah, voici un très bel autoportrait d'Audrey. On a changé de maquillage et de cheveux. Sa robe. Écoute. Je veux juste voir le flash principal en haut devant, parfait, fait qu'elle a été chercher plutôt so, avec la première flash ici, elle a été chercher plutôt, quand c'est devant moi, de haut, en 45 degrés, normalement, on s'en va chercher plutôt un éclairage papillon, OK, quand il est devant moi, c'est papillon, et puis, elle a utilisé encore son flash de remplissage de côté, à 90 degrés, elle aurait pu peut-être la fermer un peu plus, OK? Juste pour ouvrir encore un peu plus son côté en dessous de ses cheveux de droite, OK? Mais encore une belle réussite en composition, bien réussi. Voici un autre. Attends, on va juste voir. So, Audrey utilise plus ou moins le même placement des flashs en tant que tel. La seule chose que je me... attends, là-dessus, découpage derrière le sujet. Je le vois pas. Attends. OK, so, de côté gauche,
des sujets, on voit la lumière de remplissage ici, mais le découpage, je le vois plus dans celui-là en tant que tel. Puis quand vous portez des lunettes, typiquement, soit que vous demandez aux gens de se lever la tête, puis une petite fraction, pas gros, juste pour dire que leur réflexion soit à terre ou soit que ça soit pas directement dans l'appareil photo en tant que tel. OK. Parce que c'est sûr et certain, la seule chose ici qui dérange, c'est que l'éclat dans les lunettes enlève la définition de, ou le détail dans les yeux. Puis on cherche à voir les yeux en tant que tel. On passe à la prochaine. Et voilà, ça c'est une belle montage en conception. OK. Je t'avoue qu'une chose qui manque ici, puis ça, cette photo-là, c'est, d'après moi, c'est représentatif à justement confinement, le passage de temps. Puis c'est un montage, ça fait qu'il y a multiples photos qui ont été prises puis montées en travers de Photoshop en tant que tel. Et puis je t'avoue que une chose qui manque ici, c'est les ombrages de chacun. C'est-à-dire que si Audrey aurait été vraiment dans la fenêtre ici, de la photo origine de cette photo-là, il y aurait eu un ombrage ici. Même chose ici, c'est qu'il manque l'ombrage de cette photo-là. Et souvent, puis écoute, ça c'est de l'apprentissage, ok, de l'apprentissage avec Photoshop en tant que tel. C'est faut quand même, elle a utilisé exactement la même, voyons, fauteuil, la même fauteuil pour chacun des quatre images-là. C'est juste que quand elle les a découpées de les photos d'origine, puis les a ramenées dans la photo, ben cette photo-là de base, elle a juste oublié d'inclure les ombrages qui auraient été fabriqués par la lumière qui rentre par la fenêtre ici. So, I love the concept, I love the idea, it's a beautiful montage of shots. Here we, and she also incorporated her flash on TTL beautifully. What is missing in this image, and because what's missing would have added a completely other dimension to the image itself, and that is being that the main light is this window light here. When Audrey cut out herself here, she forgot to include the shadow that would have been created by this window here. Same thing over here. There should be a shadow somewhere on this side of Audrey. Same thing here, probably much less, but still. And it would have just added a certain amount of authenticity to this montage. Because right now, this looks more like just herself that's been cut out of other photos and all placed in the same photo. Okay? And it's just it's this comes with practice. That's all. It just comes with practice using Photoshop and doing these types of images here. Okay. Fait que Audrey, bon essai, bon effort, je veux dire. C'est juste que la prochaine fois, ou peut-être si vous pourriez, ça serait peut-être un autre exercice, c'est de faire la même chose, mais d'inclure les ombrages de chacun des photos que vous avez utilisées pour aller chercher. En temps normal. Je te demanderais, parce que je sais qu'à un moment donné, quelqu'un va se demander, en fonction de, d'après moi, cette photo d'origine-là serait Audrey sur son portable-là, et puis que 1, 2 et 3 ici, ce sont des ajouts. Et puis, si Audrey regarde ça, je ne sais pas si elle est branchée aujourd'hui. Si elle regarde cet épisode-là
dans les commentaires, s'il vous plaît, Audrey, essaie de m'indiquer lequel était la photo d'origine que vous, excusez, la photo que vous avez utilisée de base pour ramener tous les trois autres photos dedans. Merci. C'est juste par curiosité. Je veux juste savoir si j'ai encore un œil pour ça. Ici, nous avons un autre autoportrait. C'est très bien éclairé. Il manque un peu plus de lumière sur la face à vous, à vous le modèle en tant que tel. J'aime bien le découpage que vous avez utilisé, la lumière de découpage que vous avez utilisé là. Mais encore, bon effort, voilà. Encore, les yeux sont un peu sombres. Puis, typiquement, on veut voir un peu plus. So, tu sais, le réflecteur que vous avez utilisé, premièrement, peut-être, essaye de pas nécessairement mettre joue un peu plus avec ton éclairage de remplissage. Here, what I'm just saying is that and I remember before the whole COVID and the whole virus confinement thing, Audrey took a studio lighting class with me at the store, and at the time we were using, because of the lightings that we had, most of the time I was using it at 90 degrees, but also because I only had two lights and I was using the 90 degrees was also to separate the background. Long story short, bring this light here, which is what we call the fill light, the secondary light, bring it a little bit more forward so that it just wraps a little bit more around her face to light the right side here and separate more of her face, separate her hair more from her face in itself. But again, beautiful, beautiful shot. Here we go. Here's another one. The lighting on the right, on the left side here of your models, c'est un peu, peut-être un peu trop, that, sur votre face spécifiquement, parce qu'on voit ici l'éclat. Mais à part de ça, bien réussi, Audrey. Fantastique. Justement, quand vous avez les trois ici, les trois, tu sais, c'est facile de placer tes lumières en fonction d'une personne. C'est quand même assez facile aussi de placer tes lumières en fonction de deux personnes. Mais quand vous avez, genre, parce que justement ici, vous avez trois éléments, trois personnes, trois sujets, mais ils ne sont pas tous à les mêmes distances. Comme, je ne sais pas si, ouais, c'est votre frère. Ton frère, il est un peu en arrière de vous. Que, justement, vous voyez l'éclat ici, c'est un peu trop fort. OK. So, c'est dans ce temps-là, qu'est-ce que vous auriez pu faire? C'est soit de bouger encore un peu plus ton éclairage de découpage ou lui avancer lui un peu plus vers ta mère. Tu sais, qu'il soit un peu plus à côté sur elle. Puis, ça l'aurait causé. Et vous aurez, protégé un peu plus de cet éclatement-là sur votre frère. Mais encore, je t'avoue, Audrey, très bel effort, des belles photos, fantastiques. Ah, I did it again. Go back. Escape. No, I gotta do it this way. On va aller chercher la prochaine personne. Et la prochaine, justement, non, c'est pas lui, c'est lui ici. So we got Audrey, we did, Uncle Bob, we did, Mark, we did. Now we're going to go on to John. I don't know if John is listening right now or if John's going to listen later on. Now, John, I got to, are these phone shots, and you're using I don't know what app, if this is Snapchat or what, to, or did you do this in post processing yourself? Listen, you gotta, these things, look at this one here. I mean, this has got to be something like Snapchat, something on your phone. At least, John, you did do it. Fantastic. Here we go. Here's another one, comical.
a little bit, got to have a little bit of hilarity in our lives too, not always being serious. But actually, I want to see. Let's go back to. I love the captain, skipper look here. I didn't get a chance to do this challenge seriously, so I used. There we go. Use Snapchat. Fantastic. Yes, Fab. You can do some interesting stuff with iPhones. En passant, by the way, in passing, for those of you who followed the that free conference that I'd given for Gus Lane at the I think it was at the beginning of the month. I think it was at the or the end of April. I think it was. I forget where I had spoken about the mobile photography, doing photography with iPhones or phones and tablets. Pour ceux qui ont vu la diffusion que j'ai faite pour Gosselin au début du mois, c'était une formation d'une heure, je pense, gratuite, où ce que j'avais parlé de la photographie mobile en fonction de téléphone et de tablette. Je suis en train de monter moi-même. Je suis en train de passer une couple de jours juste faire de la photographie avec mon iPhone, avec les accessoires que j'avais parlé dans diffusion-là, dans cette conférence-là que j'ai fait, pour vous montrer à quel point qu'on peut. Puis, à un moment donné, je vais faire un épisode juste sur le iPhonographie. So, I'll be presenting that in the next couple of weeks. Seeing that we're still off until the 24th, it's going to give me time to put together a little slideshow of what you can do with your iPhone or your tablet. And for me, using some of the accessories that I explained in that little conference that I did for Gus Lane at the beginning of the month. So here we are. We've come to the end of our episode here. I'm looking at the time. I'm still within the time, I'm pretty sure. Again, though, if you have any questions, please, by all means, after this episode has finished, you can always use the comments. I receive the comments on the fly from my YouTube channel for the episodes that are in the past. So if you have questions or anything that you want to add or you want me to add to, please use the comments in the channel. Please, again, if you haven't and you did like the episode, please like the episode in the description of the YouTube episode itself. If you haven't subscribed, please do subscribe. I appreciate it. It just keeps me up to date with what people are looking for, what people expect, and what people are doing out there that I can help them more with. S'il vous plaît, encore, merci beaucoup pour votre temps et votre participation. N'oubliez pas que pour la semaine prochaine, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un défi global, un défi générique, global, que vous pouvez faire n'importe quoi que vous voulez. Et puis si c'est quelque chose qui porte l'intérêt, qu'est-ce que je vais peut-être faire, c'est de faire ça aux 2 ou 3 semaines, ou peut-être aux 4 semaines, une fois par mois. Où ce que vous avez, vous pouvez. Puis je t'avoue que si jamais vous trouvez que vous n'aimez pas le sujet ou vous n'avez pas d'intérêt dans le sujet qui est voyons, c'est quoi le mot que je cherche? Le défi en tant que tel, ben écoute, ça ne vous empêche pas de soumettre d'autres photos de d'autres sujets que vous voudrez, puis c'est un peu pourquoi que j'ai dit, bon ben, you know what, pour cette fin de semaine ici, j'enverrai pas un défi direct, un défi catégoriquement. C'est-à-dire que, tu sais, je vais laisser les vous autres décider qu'est-ce que vous voulez. Oh, I didn't get to your picture. I'm sorry, Ben. Hang on, you're right. You're absolutely right. There was one picture. Wait a minute. Ben, oui, écoutez. Hey, je m'excuse. I posted it on the wall instead of in the album. Okay, no, it's correct. Don't worry, I know it's there. Actually, I don't know. I think you did put it in the album. Hold on.
It might be in the album. Okay, on the wall of the albums. Yeah, because in the albums, you're right. Mark? No, those were Mark's photos. You're right. Yeah, he had posted it on the wall of the albums generically. So what I'm going to do is go back. There we go. Ben, nice shot. I got to listen. I got to admit, c'est quand même une belle photo. La mise au point, il est bien réussi. Il réussit vraiment sur l'œil le plus près de l'appareil photo. Fantastique. L'éclairage, ça, c'est avec un... C'est-tu avec un ou deux... Attends. C'est-tu avec un ou deux... éclairage. Je pense qu'il y a deux éclairages ici. Ouais, ici, ben, vu qu'il y a deux éclats ici, est-ce, d'après moi, c'est-tu un flash puis une lumière naturelle ou c'est deux lumières artificielles? Ça, fait que c'est ça, exactement. Ben a utilisé un 85 mm 2.8 à 1/125e de seconde à 1600 ISO. Fait qu'il a utilisé deux lumières DEL, LED, for the foreground, one on the side and the one on the floor, and a GoPro LED light for the background. Fait que, ok, so dans ce cas ici, c'est que Ben, il a utilisé trois lumières. Oups, attends, on va aller chercher. Fait qu'il a été chercher un lumière pour le fond, pour découper. Puis on voit un peu de découpage ici du fond, qui est bien... Je t'avoue que ça prendrait peut-être un peu plus de lumière encore, mais on voit quand même qu'il y a une belle découpage. Après ça, il a utilisé un sur le côté, ici, dans ce coin ici, puis un en dessous vers le haut. OK. One of the side had... Il a utilisé un diffuseur d'un tissu pour diffuser la lumière en tant que telle. Mais on voit très bien que... Puis je comprends tout à fait pourquoi tu avais pris un éclairage à terre, je veux dire, vert, parce que c'est à cause de la palette de votre casquette. La seule chose qui manque, c'est plus de lumière sur ta casquette pour être capable de voir plus de chapeau. OK. Mais ta face en tant que telle est bien éclairée. L'exposition, on avait dit que c'était un 125e de seconde à 85 mm. Fantastique. Et puis même ton 2.8, dépendant à quelle distance était l'appareil photo en tant que tel, ton profondeur de champ il est assez large. Quand même qu'on voit très bien que... À 2.8, l'œil, la mise au point, il est bien fait sur l'œil ici, mais regardez que la petite distance entre le nez et l'œil est juste derrière l'orbite de l'œil en tant que tel, commence à être flou. Fait que la profondeur de champ ici, c'est à peu près, je te dirais, peut-être 3 pouces, 3 pouces et demi. OK? C'est-à-dire, puis aussi, l'autre problème aussi, c'est que, c'est pas un problème, mais l'autre défi dans cette photo-là, c'est que c'est de la lumière continue. Et justement, vous voyez comment est-ce qu'on ne peut pas nécessairement aller chercher des petites ouvertures pour garder plus de profondeur de champ quand on utilise la lumière naturelle ou, la lumière continue, parce qu'il n'y a juste pas assez de puissance là. Et justement, on voit très bien que s'il y aurait eu un flash derrière pour l'éclairage de cheveux ou découpage ici, il y aurait eu beaucoup plus de découpage vu que sa lumière de découpage, c'était une lumière de GoPro. Puis une lumière de GoPro, c'est plus petit qu'une, si je me rappelle bien, c'est plus petit qu'une carte d'affaires. OK? Ça leur a pris juste un peu plus de lumière pour séparer le chapeau du fond et les épaules. Mais quand même, Ben, bon job. Là, ça serait plutôt d'essayer de faire la même chose avec des flashs puis voir qu'est-ce que ça donnerait en fonction de... We'll go back. So Ben here did a really good job using continuous light, but again, he got into the problems of or the challenges of using continuous light, which means because when you look at the lights that he used, the LED flashlights, you just don't have that power
that light power behind those types of lighting. You know, even me, my panels that I'm using here for my I'm using two huge 8 by, I'd say they're about 8 by 10, if not 6 by 8 panels, light panels, in 24 inch umbrellas on me. Okay. And what that, like, I've got one set here. So the one to my right or to your left would be, this one is set at 25% power. And the one to my right, the one to my left, your right, was set at, is at, set at 30% power. Okay. Now, the only, and the reason that I'm using this is really to give me more, to give more light on me, but also to separate me from my background. Okay. And because I'm using webcams, I can't control my depth of field because there's no way of controlling the depth of field. You know, and this is something that I'm going to be doing later on too. I'm going to do a little hour on teleconferencing or video conferencing and you know, how to light yourself, because a lot of people tend to, if they can't blur out the background, what they'll try to do is they'll use less light. Using less light will give me a darker background, but it'll also at the same time put a lot less light on me, and therefore the camera has to use much slower shutter speeds. It misses its focus. There's just so many problems you introduce when you're using little light like this. Okay. Now, to compare what lights Ben was using with his image compared to my continuous lighting here, is that I've probably got lights that are probably a good 30 times brighter than what he was using as far as the flashlight and as far as the, and the other problem I faced was my makeup artist wasn't available. So he, I like that. So, you know, because Ben did this at 1 a.m. in the morning, he kind of lost, he didn't have his makeup artist with him to just, you know, so he might look a little bit green. But again, Ben, ça t'aurais pu aussi peut-être jouer un peu avec ta balance de blanc pour donner un peu plus de couleur dans ta face en tant que tel. Puis moi, je le vois un peu, il y a comme une petite verre dans le... Typiquement, là, en passant, quand vous utilisez des Dells, un astuce, c'est que normalement, les Dells sont entre 5000... Normalement, les Dells sont entre 5500 et 5400. 5000, qu'est-ce que j'ai dit? 5000, bon, on va dire entre 5300 puis 5500. OK? Normalement. Il y en a d'autres, puis ça, vous pouvez regarder. Comme les miens, ils sont variables. Moi, je peux changer je peux changer mon balance de blanc sur mes éclairages, chacun de mes lumières en tant que tel. The other thing, because typically they're closer to daylight, 5,300, 5,500, white balance. So if you have any ideas, I try to keep those two categories open like that. Tomorrow we'll talk a little bit more about the weekly challenge, which is basically do whatever your heart desires. Do whatever your heart desires, and if you don't have time to do anything, put up a photo that you shot last month, 2 months ago, last year, 2 years ago, and we can analyze those images next Friday too. All right. If you have anything, let me know. You can always reach me on Messenger. You can reach me on Messenger, Instagram, Facebook, email. For those of you who don't have my email address, aj@andrew-james.ca. Also, you can also visit my Linktree. I made a specific slide for us so that you guys can see exactly what I'm doing. How to reach me, I should say. And that would be this one here. Give me a sec. It's coming up. I completely forgot that I did this. PowerPoint always takes a little bit longer than everybody else. There we go. I want this one.
5, and then we'll go back to my OBS, and we'll fade to camera. There we go. So, again, aj@andrew-james.ca, aj@andrew-james.ca. Sinon, vous pouvez aussi visiter mon site web, sinon les variés réseaux sociaux que vous pouvez trouver dans mon compte de linktree.aj.gentile. OK? Et puis, là, vous pouvez voir mon lien de YouTube, mon lien de Instagram et tout. Si vous voulez je t'avoue que je suis pas mal plus actif sur Facebook. Un peu sur Instagram, mais plus sur Facebook, YouTube. Ça, c'est mes deux réseaux le plus LinkedIn, rarement, mais j'en ai quand même un LinkedIn. I have a LinkedIn account. You'll find me mostly on Facebook and YouTube, sometimes on Instagram. But I really use more so my YouTube and my Facebook are my principal social medias. And then my website, which I'm still putting today up to date there with the past episodes. So I thank you all for a wonderful day, a wonderful, thank you for your participation. Thank you for your patience. I appreciate it. And I hope to see you guys either tomorrow or next week. And I'll launch. And if you have anything that you want to submit to the group, please go for it. Do it. No problems there. And thank you all for a wonderful day. There we go. Oh, and I forgot. Happy Mother's Day to all the moms out there. There we go.